Après Port-de-Paix nous connaît, président Jovenel Moïse toujours a fait des déclarations, yon façon pour le cas montrer Port-de-Paix qu'il y avait tout bon vrai, yon façon tout pour le capable prouver que Port-de-Paix son ville qui est en pile monde qui toujours a fait des informations négatives de Port-de-Paix. Président toujours voulait montrer que Jean Mounio comprend ville Port-de-Paix, alors Port-de-Paix pas comme ça, alors nous capable dit président Jovenel Moïse, selon déclaration, t'assemblée, c'est un monde qui vraiment reconnaissant avec Port-de-Paix. Port-de-Paix nous connaît qui c'est une ville, c'est là, nous te voyons président lui-même, il t'a choisi, fait carnaval là. Alors, après carnaval là, divers citoyens dans Port-de-Paix tabat bravo, la contentement pour président Jovenel Moïse. Alors, journée jodian, pendant que divers acolytes président Jovenel Moïse, divers partisans, divers moun qui étaient plus proches président, te fin viré do bali, alors encore une fois, c'est moun Port-de-Paix qui viré do bay président Jovenel Moïse pour causer référendum nan. Causer référendum nan depuis quelque temps sont causés qui très sensibles, sont causés tout président prend à clair et c'est une bagaille tout qui fait président commencer à perdre divers acolytes qui étaient ensemble avec président depuis la campagne, mais journée jodian qui choisit la game président parce que divers nan yo a dit président Jovenel Moïse a fait causer référendum ça ou était denasulia si nous t'es ou même nous tap quitter. Eh bien président nous connaît qui c'est un monde qui pas prend chalet, président Jovenel Moïse, selon information, selon déclaration tout, qui fait qu'on est que lui-même lit son tog, alors l'a allé avec causé référendum nan, quitte yon moun vle ou pas, 27 juin kap vini la, a gagné référendum nan yon façon ou bien yon lot. Moun nan Jean Rabel, moun nan Lesiwa, moun nan Inch, moun nan Miragwan, moun nan Jérémy, qui c'est yon département côté nous capable dit c'est moun Jérémy qui te bail président Jovenel Moïse pouvoir tellement c'est pas pile pas paquet moun Jérémy tal voté président Jovenel Moïse et président Jovenel Moïse tout rete très loyal envers moun sa yo qui te voté et président Jovenel Moïse nous toujours a fait des déclarations pour moun Jérémy tellement lui-même li loyal envers moun sa yo, mais encore une fois moun Jérémy lagué mais président Jovenel Moïse pour causer référendum nan. Divers citoyens dans ville provinciaux encore une fois pas suspend à craser chaque côté qui gen réunion, chaque côté qui gen yon rassemblay, chaque côté moun PHTK ta vle réuni peuple là. Alors c'est avec manchette, c'est avec wash, c'est avec yon paquet propos citoyen sa yo pas suspend à vouyer sous moun man PHTK qui t'assemblé à rassembler yo pour faire yo croire que causer référendum nan son bagay kap nan avantage. Nous pas montre dans yon vidéo comment pep haïtien tap rele à bas référendum, comment divers citoyens crédibles tap di yo même yo pas nan causer référendum que président vle mette nan pays ya et yo fait konnen tout, c'est parce que président lui-même li vle établi yon diktati nan pays an. Alors peuple a campé en quoi yo di yo pas prendre nan diktate ça, diktati président Jovenel Moïse vle mette nan pays ya, yo même yo pas la dan. Alors c'est avec yon paquet déclaration piment bouk divers citoyens tap rele à bas causer référendum nan. Nous parlons so visualiser nos vidéos comment ça te est, comment peuple haïtien a fait gros lever campé pour dire pouvoir en place là, yo pas nan causer référendum nan. Mais avant même que nous laissons visualiser vidéo, quittez nous prendre quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui a regardé vidéo ça. Ou même qui parle quitter un like, ou même qui parle quitter un commentaire et ou même qui déjà abonné avec chaîne là. Faut que moi dis nous ça, les nous fait ça, nous vraiment fait combat fort. Nous vraiment montrer intérêt nous gagner dans travail ça qui m'a fait. Alors ou même qui déjà abonné avec chaîne là, n'a pas dit merci. Et ou même qui a regardé vidéo ça qui peut-être beaucoup abonné avec chaîne là, n'a pas invité ou abonné avec chaîne là pour nous capable à grandir communauté là. On regarde comment peuple haïtien a fait gros lever campé derrière mon PHTK cap vinn faire campagne pour causer référendum. On regarde dans micro collaborateur nous et puis après n'a tourner. Regarde le départ de l'Esco.
En 1950, le fils de Jean Labelle, Codenon Lucas, a participé activement à la rédaction de la Constitution de 1950 qui a institué le vote au suffrage universel direct. Vous êtes à Jean Labelle, vous êtes dans le Nord-Ouest, cité Émile Jodassin, le père fondateur de la Nouvelle République, celui qui a présidé l'Assemblée constituante de 1986, Émile Jodassin. Ici, vous êtes dans le Nord-Ouest, cité Cap-à-la-Mort. Jean Labelle, Cap-à-la-Mort avait des possessions à Guinaudet. Cela sous-entend que Jean Labelle est le pivot géographique de la liberté des nègres de toute la planète. D'accepter une telle bêtise de ce matin. Sur l'article 284.3, le référendum est formellement interdit. En ma qualité d'avocat au barreau des ports de paix, en ma qualité d'enseignant, en ma qualité de normalité supérieure, en ma qualité de citoyen, en ma qualité de 1987, puisque en 1986, quand nous avons été obligés d'envoyer des représentants à l'Assemblée constituante, le Nord-Ouest a envoyé trois grands représentants. Nous avons envoyé le notaire Carlo Rocher-Enfant. Nous avons envoyé Alexis Guerrier, deux grands intellectuels. Et en troisième position, l'ancien sénateur Émile Jodassin, le sénateur de 1950. C'est lui qui a présidé l'Assemblée constituante. On ne peut pas venir dans le Nord-Ouest, dans la cité d'Émile Jodassin, pour venir parler des changements de constitution par voie référendaire. Et vous êtes. Et c'est fini. Partez, méchants que vous êtes. Partez. Vous avez fini, je vous demande pas de se mettre dehors parce que c'est l'enceinte de l'université. Donc, je vous laisse défiler.